Salut tout le monde, c'est Galax et bienvenue pour, cette fois-ci c'est certain, la fin de cette énorme aventure sur GTA 4. Fin également de ce DLC qui est excellent, Bad of Gettoni. Nouvelle mission, Ladies Night. Oh. Yo T, where have you been? I got here as soon as I could, bro. Oh man, Louise Gracie! Louise Gracie! What about Gracie? They got Gracie! She's gone! Evan's dead, now Gracie! Fuck Evan, who's got Gracie? I don't know! What are you talking about, bro? Where is she? Some guy's at war with her father, I guess. I don't know. Hey, Gracie's pretty tough. She's a princess! She's a tough princess. They fucking hurt her! Yeah, they'll have you, me, and my family to deal with. You never liked her. You never did. You never liked anyone. That's not true. I like her. No, you didn't! She's my favorite go-kart. Oh, and what makes you so good, huh? If it wasn't for me, you'd be selling dime bags on a street corner. I made you. Yeah, and she and Evan made you into a junkie. Okay? I mean, she's not a bad person. Okay, she's not a murdering, greedy psychopath like me. She's so hard. Yeah, she can get past the accent. Okay? But she made you into a useless old queen who whacked out on blowing pills to notice his business is going to shit. Oh, here we go, huh? Here we fucking go, huh? Oh, I see it in your eyes. You're embarrassing. You see me think, oh, this is it. This is the moment to put me down. This is the moment that the apprentice takes over, huh? Oh, man. You think I'm done? You're not so fucking tough. And hey, you're not so smart, you dumb junkie. Fuck. Yeah. Fuck you, Luis! Oh, come on, Tony. Chill out. What? No. You're right. You're right. You're not the one with the problem. I am. Tony, what the fuck are you doing? No, I'm holding you back. I see that now. I see that now. The closest thing I've had to a son. I'm sorry, Luis. I love you. Goodbye. Tony, come on, man. Goodbye. I love you. Prick, huh? Get up! Get up so I can kill you myself! Get up! Okay. Get up, you old bastard. Oh. Let's go find Grace, okay? Franchement, je préfère quand même les personnages de ce DLC par rapport au premier. J'ai bien aimé le premier, hein, mais je trouve que niveau personnages, c'est incroyable. Ils sont tous tarés. Va chercher l'hélico. Encore ? Vous en avez pas marre ? En même temps, c'est un peu le principe du DLC, hein, le base jump, de faire des sauts en parachute et tout. I may be semi-suicidal, but I'm not completely stupid, Luis. You ain't even semi-suicidal, T. You're just overdramatic. I wouldn't be surprised if that gun was just a movie prop. We've been in enough shit recently for me to carry something a little bit more dangerous than a prop gun. You think you'd know enough with all the shit we've been in to take the safety off a gun before you use it? Fair point. I'll get a post-it note for the next time. Disengage before a suicide attempt. Self-indulgent cry for help, you mean? Okay, I need your help, Luis. You're all I've got left. You happy now? I said it. Well done. You win, jackass. Okay, bro. Where are we looking for this girl? There's some lowlifes and dukes who might be involved. Losers even by current mob standards, which is saying something. You from Dukes, ain't you? I try to forget about that. Okay, so we head over there and do what? Land on the roof and ask them where they got Gracie? We just got to follow them. See if they take us anywhere interesting. Okay, bro. Let's hope for the best. Who knows what they could have done to that girl? She could be dead at the bottom of the West River now. Or she could be driving some son of a bitch kidnapper crazy. I wouldn't waste that nasal whining voice on the worst guy out there. Gracie's got my backing over some chump hoof and dupes. You're right. That could be the smart bet. Her old man said something interesting to me, by the way. Oh, yeah? What'd he say? That he's blaming us for this whole thing. Either we get her back, or we're dead. That's definitely interesting. How the fuck did he get that in his head? I barely know the girl. It's the diamonds, Lou. Rocco's had a word with him. This is where they keep the chopper. Et voilà. Presque bien garé. Allez. Un petit Maverick. Celui qui avait pas moyen de détruire dans la mission d'avant. Il est incassable, le machin. The place we're checking out is over in Cerveza Heights. Le ravisseur présumé se trouve près de Meadows Park. Yes! Par contre, n'oublions pas que dans les hélicos, il y a aussi les radios. C'est about saving our own asses? Yes, this is a purely selfish act. Are you happy now?
Yeah, strangely I am. Now that I've realized I'm being blackmailed into doing this, it's become a lot clearer. Great. How are we gonna get out of this, Tom? What? All this shit piling down on top of us. How are we gonna get out? Have we got a plan? I don't know. We could play the lottery, start a little Ponzi scheme, buy some cheap diamonds and try to sell them at a profit. Oh wait, we've tried that, and it's not going so well. Fair enough. You could marry a billionaireess. That might get us out of our problems. Oh yeah, I've already been pimped off once, T, and I nearly got killed because of it. I'm serious, Lou. Most of the girls in the city have fallen in love with you at least once. How come you can't manage to find a rich one? I think that's the place we're looking for. Ooh, risque pas de la louper. I think that's their car, Lou. The red one. Let's follow it. D'accord, on va passer d'une vue à l'autre. On peut rester loqué sur celle-là. Ouais, par contre, c'est pas évident, parce que j'ai pas envie non plus de me cracher. Ok, all right. But which way do you think he's heading? West. I can see he's going west. Where west? There's a lot of shit west of Dukes. Could be Algonquin. Could head all the way over to Alden. He might not be going west at all. Might be heading over to the Eastboro Bridge, so he can get himself up to Bohan. Fuck! Might just be heading down the block for a slice of pie. Shit! Okay, I take your point. If you see him stopping, let me know. You'll see him stopping too, bro. You ain't going to sleep on me, are you? You think I could go to sleep in a moment like this? What? You ain't got your pills? No, I don't actually. I didn't even take an anti-anxiety, and you know how I feel about flying. You'll throw a guy out a chopper, but you won't go for a ride in one? You should have shared your anti-anxiety pills with the Celebinator. No amount of pills would prepare you for that. Don't fuck with the Thorny Prince Empire, baby. That's what's up. Public relations at its finest. If we could throw every fucking blogger out of chopper, bro, keep them fools in line. We could start an outsourcing company. We'd be rich overnight. Strangely enough, that's exactly what we need to be. Stop driving suspiciously, Lou. He'll get wise to us. Get wise? What are we, in some gumshoe novel now? I'm driving as unsuspiciously as you can when your boss only forked out for a weekend helicopter course. If he's getting wise, it's because you're a tight ass. You being anti-Semitic now? Nice. Next you'll call me a fag. Oh yeah. Play the minority card. Very clever. Unfortunately, I'm a minority too. So fuck you. What's he going back to the park for? He on to us? She's going for a drive, T. Come on, you dumb Dukes fuck. Take us to her. You yell loud enough, he might just hear you. Maybe if we concentrate hard enough, we can will him to go there. I thought you got over that spiritual shit when you stopped dating the yoga instructor. There are things that stick with you forever. Like the fact that he could get his ankles around his ears and he ate a lot of mung beans. That image is gonna stick with me. Jesus. Where are these guys from? Other than Dukes, I mean. They're an Irish operation headed by this maniac called Gerald McCreary. He's doing time in Alderney State. Irish like those guys who robbed our bank? They could be the same ones that held me hostage. Stranger things have happened. What would they need a mob boss's daughter for when they got all the bank's money? How the fuck do I know? I guess greed is a powerful motivator. I got an idea. Great! What is it? We stop that bus car, we rig his boss to the battery. By the time he smells them cooking, we'll know exactly where Gracie's at. This is a great bit of improvisation, Lou. But I think we should just follow him. Leave the torch to professionals, people in government. Look, he's going through the booth tunnel. I ain't going in there, T. You think I want you to kill us? Go over and meet him where he comes out. Over by where we pick this chopper up. Okay, boss. Eh, mais c'est super dur à suivre, mine de rien. Il me l'affiche où? Je crois que je l'ai perdu de vue. Attends. Attends, faut que j'atterrisse là-bas? Ah ouais, je le vois. You know how they got Gracie? Something to do with that pink piece of shit car she had. They think the guy pretended he wanted to buy it. She should have got suspicious the second anyone expressed interest in that thing. Actually, wait, I can see you driving a pink car, T. Why? Because people call me gay, Tony? In that case, you'd probably think I've got massive sculptures of cocks in my apartment as well. Gay guys love that shit, you cliche-loving moron. There was that one marble thing you bought. That was art. Yeah. Giant, veiny, penis-shaped art. At least you made a profit on it. Those were the days. C'est infini cette séquence, hein. Alors autant qu'on était pas carrément dans les.
au centre de la ville, ça allait, mais là, avec tous les bâtiments et tout, c'est chaud. Je ne sais pas. Shit. She could be in the trunk of a car in there. She could be in the trunk of the red piece of shit we're following. They would have checked that. Let's see if he comes out. Ah, je pense qu'il est où, le gars? Bah, sortir par là-bas. That's him, isn't it? He better fucking take us back to Gracie now. Ouais, c'est lui. Ouh, en tout cas, on remarque que la... Bon, ils l'ont faite rouge pour qu'on la voit bien, hein, mais quand même, quoi. La distance, les détails dans ce GTA 4, c'est la folie, quoi. Look, he's stopping. That must be where they're keeping Gracie. It's somewhere, at least. What street is that? I don't know Alderney well, bro, but I think the big one's Sacramento. Call it in. Let's get this bird on the ground, Lou. Ok, parfait. Allez, on ramène l'hélico. Eh ben, dis donc. Sacré voyage. Look at you, bro. What? Down with the kids. You work in the business, Lou. You should know that club promoters are the first to master all new forms of communication. Always find a new way of profit. If we pull this off, we'll profit. We'll get to keep our spinal cords. Great. I like my spinal cord, bro. It would be a fucking shame to lose it. Attends, bon, on a fait qu'un seul tour en plus parce qu'on est revenu quasiment. Ouais, on ramène l'hélico là où on l'a pris. Ça veut dire que c'était juste à côté qu'il l'avait amené, Gracie. Ok, man. Let me know if they find Gracie. I hope for our sake they do. See you soon, partner. A plus dans le bus. Eh ben, c'est le voyage de l'infini. C'était long. Et j'ai cru que j'allais la perdre à un moment, hein. 86%. Temps 8,28, fallait mettre 8,50. Oh là là! Ah bah c'est bon du coup. Dégâts hélicoptère 0, filature, ouais, Razmot. Ah merde! Bon, j'avoue, j'ai pas pris de risque. Correspondant inconnu. Allô? Hola, Burrito! Rocco, how'd you get my fucking number? I don't wanna talk to you. Too bad, Mex. This line opened up just as soon as Tony took those points. You know, Rock? Your guinea ass is lower down this country's ethnic food chain than mine. So don't fucking condescend me. Oh, I got senora sensitive here. Hey, look, I respect you, so I'm gonna talk straight a second. Tony's pissed a lot of people off. You need to control him. Tony's gonna calm down as soon as you stop sending us on suicide missions. Oh, look at my position. Some serious mulayos. You think the higher powers are gonna stop expecting envelopes from me because of the homo's midlife crisis? Doctor's notes don't cut it with these people. Be reasonable then, Rock. Chinatown? Bahama Mamas? Those fucking bombs? That's some out of control shit, man. No! Tony's some out of control shit. Think about what he has got you into. But if you think about it too long, then there might be no getting out of it. Comprende? Not really, bro. Goodbye. No comprende. Mission de Tony, nouveau contact Rocco. Ok, je vais appeler un taxi. Et on va aller... Ah bon, tiens, un taxi. Et je vais aller retrouver ce très cher Tony. Allez, la mission est disponible. Heureusement, maintenant, toutes les missions sont dispo. Et ouais, je pense qu'il n'y aura plus que ces missions à lui. Ah bah, génial. Eh, c'est de mieux en mieux, hein, les arrivées. Rien à dire, c'est du clean. Ladies, Alf Price. Okay, if we walk in confident, we have a good time. Okay. Hey, you on the list? Yes. No. Yes. No. Then you're not coming in. Oh, wait a minute, man. We're relatively important people. We're going in, bro. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony? I ain't seen him. Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Tessie, take care of them. Thanks, man! Okay, keep it cool, keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight! You walked in with one, bro. What? Never mind, man. Hey! So I'm going to go get the drinks! Okay! Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen, can I just say something, man? Listen, can I just say, the way you dealt with Bori, man, I was really grateful. Thank you. Hey, Dub, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen, you know, you're a shot like me. That's right, you're like a lone wolf. And it better
adventurer. Tough butt. With a sense of this? Not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's just your thing, man. What's your problem, what? Man? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, hey, man. Hey, look, I fucked three girls last night, man. One of them can't even walk. I mean, now. She could walk before. She didn't need a wheelchair or anything. Look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. Yo, not a problem, man. I gotta go. Hey, listen. Hey, Luis. Come on, man. We gotta go. Let's go. All right, man. Peace out, bro. Thank God you showed up, bro. What? I never thought seeing you would make things feel more heterosexual. I'm gonna pretend I didn't hear that, sweetheart. Yeah, it's probably best. Je saurais pas dire quel est mon perso préféré du DLC, tu vois. Mando Aventure Tony. Enfin, quoique, il fait pas partie que du DLC, hein, vu qu'on le voit aussi dans le jeu de base. Va au Pier 45. 45. Ok. Et bien sûr, Indépendance FM. Getting Gracie back. She's coming home. You mean taking her back? Or this gonna be tranquille? God, I hope so. They're getting the diamonds for her, so they better behave. Shit. Wait a second. Slow up, man. What have the diamonds got to do with Gracie? What the fuck have we got to do with Gracie? Shouldn't her old man be handling this? Apparently the kidnappers have asked for these rocks, and we aren't being given much of a choice about it, if you catch my meaning. Oh, great. Angry mobsters, kidnappers, maniacs. Sounds like another fun day. Ah ouais, et là maintenant ça va être le grand moment, la rencontre pour l'échange du coup entre Gracie et les diamants. Ok, bah tout est lié encore une fois. Super. Super, super. Moi, je trouve que ça concorde totalement. Et heureusement qu'ils ont fait ces DLC. Mais je pense qu'ils les avaient pensés avant le jeu d'origine, hein, avant de conclure. Hein. C'était prévu. Ça colle totalement. Et limite, ils auraient pu. Hein. Tu vois, s'ils auraient voulu vraiment étirer le truc, ils auraient pu faire sortir GTA V en incluant, genre, les deux persos, tu vois là. Genre, les deux DLC, ils auraient pu faire un GTA V avec ça. Je pense. Remarque, quand tu vois GTA 5, tu dis que c'est quand même différent. Mais franchement, ils auraient pu et ça aurait prolongé. Justement, ça aurait été une vraie suite à GTA 4. Ça m'aurait pas dérangé, franchement. Cette qualité de fou. Bon, ça aurait été un peu juste au niveau des missions, il aurait fallu en faire plus, mais. Voilà, ils auraient pu développer les persos un peu plus. C'est tellement de qualité, je pense qu'ils auraient pu en faire un vrai opus, quoi. Petit bateau! We need to get over to Charge Island, Luis. They're expecting us to dock there. Va à l'usine de traitement des eaux de Charge Island. D'accord, attends, je suis en quelle caméra là? Ah, non, c'est bon, je croyais pas que j'étais en caméra proche. What about them? Yo, man. Maybe Guardian's claiming ownership. He's got some serious resources. Maybe we should think about handing them over to him. We got two options, Lou. Either we give them to the Russian and Ancelotti kills us, or we give them over to the kidnappers. Gracie lives, or we take our chances with the Russian. All right, man. Sounds like you got everything figured out. I got nothing figured out. Half the city wants to kill me, but they'll be lucky if they can get a chance before I die of a heart attack. Easy, Tom. Le seul moment, le seul véhicule qui me permet de lire les sous-titres correctement, c'est quand je suis en bateau. Parce que c'est pas compliqué. Tu vois, faut pas que je tourne toutes les 3 secondes. Et puis c'est facile à gérer, à piloter. Ok, faut s'amarrer. Juste ici, à côté du Titanic. Bon, il est un peu plus petit quand même. Last chance, D. So you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't. Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Gracie, you all right? Daddy? Bastards didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie.
I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff! All right, calm down. Both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. Belle chorégraphie. C'est vrai ça, pourquoi tu les as pas butés? Non mais sérieux. Tête de neuf, hein. Bah pour te sauver la vie peut-être. C'est plutôt une bonne idée, non? N'est-ce pas? Ton chargement un peu long quand même. Fucking charge off our boat! Hey, I'm trying, okay? Tony, you're fucking pathetic! Get the motherfucker off our boat! He can't hear you, babe. Dawson's in a world of his own. Why didn't you fucking kill them for me? Speed up, Lou, won't you? I want you to make this prick fucking suffer. Feed him into the rotor. Hey, we ain't getting into no wood chipper shit out here, bitch. Chill. The fucking stowaway is gone. We can go back now and get those cocksucking kidnappers now, pussy. Go back and kill them. Mais elle est horrible, cette nana. Elle tapait Nico, maintenant elle me tape moi. Ah, c'est terrible. You're gonna have to shut the fuck up right now. We don't need to be doing this for you. You're a fucking joke! You and that old queen are gonna be done here! Hey there, muscles! No need to hit a lady! She don't got a mouth like a lady, Tom. And the way she was acting, she was gonna get us killed. I should have given her some pills. What's happening? You got Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth $2 million. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. A plus. 50%. Bon. Temps et demi accroché, 7 secondes, 21 secondes. Ouais, c'était un peu trop long. Temps 3,55. Oh, dommage, on était pas loin. Par contre, pour l'ennemi accroché, je pouvais pas faire bien mieux en vrai. Parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de secouer à droite à gauche, tu vois, et j'accélère à fond. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ah, peut-être éventuellement jouer avec la physique du bateau, monter, descendre? Tom. Fuck! Lou! Have you heard? That our lives are falling apart? No! Yes! No! Sort of. The city's closed down the clubs. You serious? Those motherfuckers! All this fucking bullshit and we forgot to pay off the Citadel! Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. Listen, man, I told you. I didn't know shit about who owned them diamonds. Then maybe you should have asked. Instead, you ran around the city making a fool of me. You and your faggot boss will be killed for this. I will do everything in my power shit. To- I think the signal's dropping, man. Later, bro. Yourself. Hey, Luis, my man. How's things, bro? Not that great. My father, he is a very passionate and angry and very disrespectful man. But listen, can you come and meet me at the construction site? I have something to discuss. Yeah, okay, man, I'll try to come by. Mais bien sûr, Youssouf, avec plaisir. Alors, monsieur le taxi, on n'est pas en mission, on en profite. Excuse me.
emmenez-moi chez Youssouf, le milliardaire. Let's do it. Thank you very much. Thank you very much. Le roi de la ville. For the man who has everything. Yo, nigger! Would you shut the fuck up, man? What's wrong with you? Whoa, yo, yo, easy, amigo. I'm just pleased to see you. Yeah? Come on, baby. Give me some skin. Come on. What are you doing here? Well, you know, it's my father, Hey, you know, my ancestors, we built the pyramids, baby. We built the ziggurats. We invented math and shit. I'm here, I'm not afraid. I get my hands dirty. Well, I can work. Whatever, man. How's it going? Oh, epic, homie. This shit is epic. People are babble about this shit in the future, baby. I'm talking luxury on a whole new level. This place is going to be so expensive, people won't even be able to afford it. It's going to be drowned in gold. No, it's like, yo, yo, yo. Is that a diamond in your pocket? You just pleased to see me and shit. Whoa, man. You know, the sales sheet's going to say, the impossible dream. Priceless indulgence. Style by Yusuf Amir, a timeless classic. Timeless classic! Yeah, sounds perfect, man. Just what the people want right now. But what are you doing here? I'm crafting this whole thing with my bare hands. Okay, cool, man. Listen, it was good catching up with you, okay? I'll see you soon. Yeah, not so fast, homie. Yo, could you give me a ride to my helicopter? I can tell you something along the way. But I thought you was busy building the pyramids. Yo, all work and no play makes Yusuf a dull boy. Come on, baby, it'll be fun. Ah, on retrouve la voiture jaune. Je l'aime bien, celle-là. Head out to the east side of the Algonquin Bridge, my dude. Ok, Algonquin Bridge. Allons-y. Mon cher Yusuf. Yusuf, bro. Hand over some more exploding shotgun shells. I love those things, man. What you after this time, man? I got you that tank thing and the chopper. What now? You want the Statue of Happiness for your backyard? Excellent idea, my friend. That will have to wait. All right, then. What we after? Wait for it. I'm waiting. You ready? Just fucking tell me, bro. A motherfucking subway train! Oh, yeah, baby. The prize of the fleet. The ass-fucking flagship of the LTA. Give it up! What you want a subway train for? We're taking that shit out to the Gulf for a new Liberty City-themed development out there. Check this out. Genuine LTA submarine train. Get that shit going through a precious and delicate coral reef. Ah, perfect! Aside from how fucking dumb that sounds, how am I supposed to take that thing? Not gonna be easy, dog. No one likes people fucking in their public transport in this paranoid age. Can't you just buy yourself a subway car, bro? No, man. Shit. We need the genuine article, the real deal. You think we can put the Amir name to anything but authentic shit? Yo, how am I supposed to pull this off? Okay, we just need the front car of the train. You jump on board, you climb to the front, and you unhook the car. I'll handle all the rest. Real simple, man. I don't know why I hang out with you, bro. Because you fucking love this shit, homie. Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy. That, and I'm going to put your clubs on the world stage. We'll have a lounge on the moon by the time we're done. For real. You're mean. I can't believe I'm doing this. Believe it, baby. Pinch yourself. You ain't dreaming. This is no film. The city is our playground, homie. If it's our playground, how come I'm the only one getting dirty? Shit. I'm gonna look after you. You and Tony. Your problems, man. Get in position above the tracks, man. I'll see you soon. Ok. Il est fou, celui-ci. Attends le train et saute à bord. Putain. C'est ouf. Je l'entends, hein. Je l'entends. Attention, maintenant! Fraye-toi un chemin jusqu'à l'avant du train et détache la voiture de tête. Ça va être terrible. Attends, j'entends des hélicoptères derrière. Merde! Wow! Ex, ça saute! Attends, bouge. Reste en mouvement. Je peux pas me retourner. Faut que l'hélicoptère passe devant moi, je pense. Ah, c'est énorme! Cette séquence incroyable. Allez, avance, avance, avance. Je m'occupe de celui-là. Et de celui-ci.
Allez, ça dégage. Voilà, et comment je fais maintenant? Je suis à l'avant. Wouhou! Faut d'abord exploser les hélicos, je pense. De ce côté. Silence. Ouh, ça m'a frisé les moustaches. En fait, je peux pas aller plus loin, je peux plus bouger là. Pour info. Je pense que c'est normal. 5 étoiles! Moi, tu m'étonnes. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? Je peux vraiment plus bouger, hein, je vous l'assure. J'attends de quel côté il est. Je suis planté. Mais je sais pas si c'est normal en fait que je sois planté là-dedans. Esquiver les obstacles au-dessus de toi. Ah, mais je peux pas bouger, hein. Je peux absolument pas bouger. C'est pas possible, je vais mourir là. C'est quoi ce délire? J'ai rien à esquiver en plus, c'est ça que je comprends pas aussi. J'ai absolument rien à esquiver moi. Mais je peux pas. Ah mais d'accord, j'ai compris. En fait, faut appuyer sur le stick gauche. Ça devrait passer, les amis. Ça devrait passer. Allez, passe en dessous. Ouh. Ah, j'avoue, c'est méga stylé. En plus, je l'ai un peu explosé, quand même. Bon, c'est pas du bol, hein. C'est de la dextérité, mon ami. C'est de l'agilité. C'est loin d'être fini, hein. Elle est folle, cette session, aussi, là. Comme si je pouvais rester en vie face à des hélicos. C'est pas du possible. J'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Attends, il manque un bout à l'hélico, ou c'était quoi? Ah non, c'est un hélico particulier. Allez, mon pote. Bien. Je prends un bol d'air frais. Ça remet les idées en place. Accrochez-vous. Il est incroyable. Youssouf, meilleur perso. Dans le côté déjanté, je sais pas si on fera mieux. Hein. Oh, j'adore, il fait des trucs avec son pognon, mais laisse tomber, quoi. Par contre, 5 étoiles. Ah, c'est bon, ça a disparu. Ça me rassure. 86%, 2,39. Ok, dégâts encaissés, 50%, 58. Dommage, dommage, dommage. Mais ouais, vu que j'ai dû la réessayer, de toute façon, c'est pas confirmé le score. Tant pis, 25 000 $. Bon, heureusement que c'est bien payé, parce qu'on prend quelques risques quand même en travaillant pour lui. Hein. Mais c'était vraiment excellent. Encore une fois. En attendant, je me promène un petit peu dans le parc. On se détend. Rocco. Luis Lopez. What could you possibly have to say that I'd want to hear, Rock? Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian having a powwow with the old man about you and the fag. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Tone supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Ok, mission de Rocco, et je suppose que c'est pas la porte à côté, bien évidemment. Allez, direction le taxi. Ce que vous adorez, vous savez. Oh yeah, but your parents must hate you. Luis! Ray, listen. You fuck with me, Luis! No, no, not at all. That's how things seem. But trust me, that wasn't my intention. You fuck with me! And now, I'm going to fuck with you, you little cunt! You are dead! 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 You understand? No. Could you say it again, please? Fuck you! I'm still not getting it. What about a third time? Cunt! Bye.
me suis permis, mesdames, messieurs, de piquer le taxi. Oh tiens, un petit stand. Est-ce qu'il y a un vendeur éventuellement? Ah bah, il vient d'apparaître, hein, parce qu'il était pas là. C'est quoi, des chouchous? Allez, chouchous, s'il te plaît. J'espère qu'on reprenne un peu de life. Ça, au moins, on saura bien pour terminer les deux dernières missions du DLC, il me semble. Hop là. Oula. Ah bah d'accord, je reprends de la vie pour en perdre juste derrière. Oh, ah, je suis coutumier. Hein. Ah, je me rappelle de cet endroit, il y a des toilettes là-bas. Party's over. That's what I told him. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? That's very funny. You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you in the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony. You get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. You fucking spick. C'est bon les tacos. Les tacos. Bon. Alors, va à Maisonnette 9. Yes. Ouais, je me souviens de ce lieu. On était venu avec Nico, il me semble. Hein. C'était pas dans le premier DLC. Non, non, c'était dans le jeu d'origine. Si je dis pas de bêtises. Bon, direction Maisonnette, c'est juste à côté, les amis. On y va de suite, téléportation. On arrive! Wouhou! C'était presque propre. Je dis bien presque. Ah, j'ai perdu la portière. Tony, où est-ce que tu es? Il n'y a plus personne, c'est vide. Alors attends, normalement, il est à cet étage. Ah non, on va monter. Oh! There he is. Thank God you got here, Luis. These fucking guys. Talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell them. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. Sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou! I'm sorry, T. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. You fucking moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. The Russians... Fucking everyone, they're coming after you! The old man, you're fucking dead! The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses! We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou! He's a maid guy! Fuck him! Alright, get out of here, Rocco! This is for the old man and that's it! You're a dead man, Taco! Get out of my club, you fucking mook! You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so.
All right. If we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Ah, oh, c'est terrible, ça termine jamais. Les hommes de Bulgarine, où êtes-vous? Toujours au peupon? Ah, eux, c'est les calaches, hein. Coucou! Je vous attends avec la grosse artillerie! Allez, une balle à mort! Ah bon, après, faut voir la taille de la balle, quoi. Ouh! Faut voir le calibre un petit peu! Suivant! Je crois bien que c'est infini là. Il y a toute l'armée russe qui déboîte. Ah pardon pour la peinture, Tony. C'est abusé. Tu crois que c'est le moment de prendre un coup de fil? You serious? Get the fuck out of here. Thank you. More of them are arriving outside. Then we're gonna have to go meet them, boss. It's gotta end sometime. Va à la porte d'entrée de la boîte. Eh bon, on n'est pas sorti de l'aubergine. T'inquiète, compte sur moi. Par contre, ah d'accord, c'est ici. Sorry. Please get out there. Où êtes-vous? C'est mignon par ici. Bah non, c'est pas là, c'est les toilettes ici, on s'en fout. Non, c'est juste qu'en fait, lui, il attend là. Attends, mais c'est quoi ce délire? Faut que j'aille où, là? Faut que je sorte? Attends, je récupère le fric, déjà, dans un premier temps. Attends. Shit, Lou, I'm not built to handle these fucks. C'est ouf. Planque-toi derrière. Oh lolo. C'est oufissime. Bien joué. C'est pas fini. Ok, c'est bon, je l'ai eu. De ce côté. J'ai pété le véhicule. Vite! Mais qu'est-ce que... Qui? Il se téléporte! Mais quel con! Je suis presque mort. Chaud. Tu veux me tuer, Lou? Tu veux me tuer? Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T. Please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. T'as quelle mission encore? Parties over, 80%, 4 minutes 32. Tire en pleine tête par contre. Fallait en faire 25. Ah ouais, précision 70%. On est pas mal quand même. On est pas trop mal. Et puis en plus, c'est confirmé. Hein, ce score, $5000 en plus. Bon, l'argent, ça me fait une belle jambe. Il faut qu'on retourne voir Tony apparemment. Très bien. Appel de Desi. Et ce n'est pas une fille, hein, attention. Desi, what's up, man? Hey, boss. I'm just wondering when you think you're gonna do a shift at the club. This place could do with that Luis Lopez magic. I'll try to put some time in soon, man. It's just been kind of crazy. Trust me. Look after things. Alors, à la limite, ce que je peux faire, les amis... Ouais, je vais quand même faire un truc. Je vais appeler... C'est Armando, donc pour les flingues, yes. Je vais appeler Armando et on va aller faire le plein, prendre également un gilet pare-balles. Attends, donc l'abîme, je peux reprendre un petit parachute. Ouais, t'inquiète, je suis blindé de thunes. Pas de problème. Lance-roquette éventuellement, ouais, mais je préfère le lance-greu à la limite. Ça coûte 8000 par grenade dans cette recherche. Finalement, les roquettes, c'est très bien. Ah mais attends, ça coûte 10000 par roquette. Bah si, c'est pire, alors j'ai rien dit. Oh, c'est pire. Gilet pare-balles. N'empêche, ça me redonne pas de la vie, ça. Ah ouais, ça me donne pas du tout de la vie. C'est laquelle l'arme la plus chère, au fait? 20 cartouches, fusil à pompe, vas-y, reprends. Ouais, refais le plein carrément. Carabine, carabine elle est mieux hein, quand même. Mais bon. Musique de précision 5000, je n'utilise jamais. On prend des munitions de P90. Bah écoutez, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. On prend également quelques bombes. Ça coûte 800 par bombe, ah ouais. Et vous voyez comment l'argent il part super vite? Je voulais vous le montrer au moins une fois quand même. C'est abusé. Appel de Youssouf, tiens. Youssouf, staying out of trouble, man? You better believe it, bro. Totally guilt-free. It's business, business, business with me. Yeah, why does that make me think you're about to ask me to do some dumb shit? Damn, what do you take me for? I'm a giver, not a taker. I don't need anything from you. I wanted to make a gift of my car to you. It's a special machine, but no, what you have done for me recently is more special. Thanks a lot, bro. You didn't need to do that, though. No, I did. Yeah, there's a little bit of fun for you in the glove compartment. I think you will enjoy it. All right, man. I'll check that out. Johan, thank you again. Oh, une voiture. C'est laquelle? Ah, celle qu'on a pilotée, peut-être qu'on avait l'autre fois sur le... Au bord de l'eau, là. Un petit hamburger, s'il vous plaît, comme ça au moins on sera prêt pour la mission. Ouais, je pense que du côté de Youssouf, c'est juste pour récupérer sa voiture, hein. C'est pas une réelle mission. Pas de soucis, Youssouf, c'est où? Ah, mais oui, cette voiture jaune. Ouais, elle est cool, celle-là. La super drop diamond de Youssouf t'attend à son appartement à tout moment. D'accord. Bah, c'est parfait. Merci bien. Tu m'as fait venir juste pour ça. Allez, la mission de Tony, les amis. On y retourne. Maintenant, j'ai repris de la vie. J'ai pris également un gilet pare-balles, des munitions. On a tout ce qu'il faut pour terminer ce super DLC qui, franchement, bah, je le dis, il est à la hauteur vraiment de sa réputation, quoi. Moi, je suis pas du tout déçu. C'est méga, méga cool. Appel de Youssouf, tiens, attendez. Louis, hello my friend. Did you like the car? Did you like the other gift? The gun? Fuck me, bro. Solid gold. All is the best for you, Louis. It makes a statement, doesn't it? Shit, it sure does. Thanks a lot, Youssouf. We are brothers, it is nothing. I've got three more myself. See you soon, my friend. De quoi? Des armes en or? Ah ouais! L'Uzi! Oh, énorme! Mais attendez, il l'avait pas dit, ça! Ah, trop bien! Et celui-là aussi, non? Non, lui, il est pas en or, je crois pas. Ah, d'accord, il y a que celui-là qui est en or. Putain, mais c'est trop classe! Je savais pas que j'avais récupéré ça. Heureusement qu'il me le dit. Departure time! Hey. Fuck off, Luis. Ay, Dios mío, haven't we been through this already? Been through the fact that you wanted to kill me? Been through the fact that you fought for alone that desire? This is over. It's over. I just want to go someplace far away from here and quietly wait to die. I lived it. I lived it hard, and now I'm ready to end it. Oh, shut up, you hysterical fucking queen. Get a grip, bro. Oh, yes. Silly me. Silly fucking me. The Russian mob want me dead. My best friend just contemplated murdering me. The mob are on my case. I'm massively in debt. And I just lost $2 million worth of diamonds. Any other man would just dust himself off and carry on. Look, okay, I'm sorry I thought about killing you. I really am. But if you keep up with the bullshit, I might have to kill you for real. Fuck off, Luis! No, you fuck off, Tony. I didn't kill you. I wanted to. Why? Because you've become a useless junkie fuck, that's why. But I didn't. And now, it's you and me against the world, okay? And if your brains ain't working right, then I'll make the decision for us, okay? It's Bulgari or us. Or you can shoot us both and make his life easy for him. Look, you're kind of clever, aren't you? I only hired you because I thought you were dumb. Yeah, thank you very much. You're welcome very much. Are you coming now? Yes, I'm coming now. Well, let's go, come on. ...is that he's taking on a big heroin shipment at Funland on Firefly Island. Dirige-toi vers Croquette Avenue. Mine de rien, ils ont une amitié les deux, c'est pas mal, hein. Sans deck, hein. C'est un peu vache, mais... We're gonna take out their income stream, and then we're gonna take them out. End this bullshit. Okay, I'm armed, I'm dangerous, let's fucking do this! Come on, T, give me a break. What? We're in this together! Tony, bro, I love you, but I shall handle this alone. I don't want you getting yourself killed. Then you're gonna have to punch me out again, Lou. Don't make me, man.
You know you're just gonna slow me down, bro, and kill us both. I want at least one of us to survive. Hello? Look, D, don't go home. Don't go to the clubs. Don't go nowhere anyone might conceivably think to look for you. There aren't many places like that left in the city, I'm afraid. Come on. Where do you think you can hide that no one would expect? I have no fucking clue. Those sirens in my nightmares. C'est pas passé, forcément. Ne jamais rentrer dans une voiture de flic. C'est la mauvaise idée. Poussez-vous, bon sang! Allez! Mais c'est terrible! Et tu dégages, toi? Mais oh! Il se met carrément en travers! Tu mérites de mourir. Alors, est-ce qu'il fallait sortir ou est-ce qu'il fallait continuer? J'en ai aucune foutue idée. Bon, tant pis, hein, on verra bien. Au pire, là, je sors les bombes. Et je l'envoie sur la bagnole de police, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. On va réussir à s'enfuir. Ah, je pense qu'il fallait sortir quand même. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Parce que là en général on... Bah, j'aurais dû sortir parce qu'en général on sort tout le temps. I ran away from there when I was a kid and I swore blind I'd never go back. Apart from to catch a plane. Okay, cool. Hit up like that monocle monument thing in Meadows Park. Hang out for a few hours. If I survive this shit, I'll find you. If I don't show, then I'm gone. Move to Brazil, move somewhere. Don't ever look back, T. I thought I was the annoying drama queen in this pairing. I'm serious, T. This is my last testament. Yo, send some money to my mom sometimes. Tell her I love her. Okay, Lou, shit. You'll be fine. Shit. No one in this whole crazy town is crazy enough to take you down. Eh mais c'est qu'il y a plein de trafic hein, aujourd'hui, hein. Jolie voiture. Ah, j'ai loupé la route. Alors, je sais pas si je pouvais reprendre par là, je préfère reprendre la bonne. T'as vu le monsieur ou pas, taxi? T'es fou, toi? Aïe, aïe, aïe. Prendre des risques. Ouais, je pense qu'on aurait, dû sortir. On aurait dû prendre la sortie. Ouais, de toute façon, on peut toujours... Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. On peut toujours récupérer. Wouhou! Et on va tester cette nouvelle arme en or, là. T'inquiète, je fais gaffe. Entre dans Funland. J'espère que ça va être fun. Now we own junk trade in Liberty. Anyone need package, they must deal with us. Je suis là. Oh! Ah oui, quand même! Ah, j'aime beaucoup! Elle est pas juste en or. Elle est ultra puissante. Les petits poussins! La chambre de rechargement, par contre, un petit peu long. Oh punaise, c'est vrai que ça explose. Oulala là là. Allez, là où tu l'as vu. Attends, mets-toi à couvert. Pas évident. Ok, on bouge. Parce que c'est pas lui qui va bouger, t'inquiète. Ouh, pas qu'il me fasse exploser. Aïe, je suis en plein milieu, gros. Et c'est lui qui m'embêtait là depuis tout à l'heure. Putain, lui est juste devant moi. C'est n'importe quoi ce que je fais. Mais vraiment quoi. Le temps de rechargement par contre, trop long. Allez, plus que lui au fond, et c'est bon! Il me faut de la vie encore une fois. Yes! Ouah, attendez! Ça fait 5 ans que j'avais pas vu de la vie! Incroyable, mais vrai! Hey gros! Enfoiré!
C'est bon, je l'ai eu. À côté de la vie, t'aurais pas un petit gilet, non? Faut pas trop en demander non plus. Les machines sont HS. Bon allez, je pense qu'on peut y aller comme ça. Wouh! Attends. Vas-y. Fusil d'assaut, ça devrait le faire. Sors de là. Je l'ai eu. Allez, je repasse sur l'arme en or, l'Uzi. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de manège? Ça m'étonnerait quand même. Ok. C'est géré. Ouh. La cargaison d'héroïne restante. De l'autre côté. Oula. Vous êtes comme ça. Ah, elle est vachement speed hein, cette arme. Il se protège bien. Hein. Ok. Pour... Waouh. Ça va être méga trop tendu en vrai. Peut-être qu'il y a de la vie un peu disséminée dans le coin là. Ça m'étonnerait même pas parce que franchement, chaud. Hey bitch! Passe au-dessus. Non! Presque mort. Je suis presque cuit, il me faut de la life sinon c'est foutu. J'ai pas l'impression qu'il y en ait, c'est ça un petit peu qui m'embête. Ouais, je vais rester dans le coin là-bas plutôt. Je sais pas, je me sentirais plus à l'abri ici. Planque-toi. Eh ben écoutez, on va essayer d'aller au bout, mais encore une fois, j'assure rien, je ne promets rien. Bon, on est blindé de mule. C'est l'avantage. À couvert. Faut qu'on performe là. On évite tous les risques. Ouais, Bulgarine! Bien joué. Ah. Ok, par là, attention. Reste à couvert. Il y a du monde par ici. Ok, je vois où ils sont. Je suis pas sûr. Bah, s'il y en a de l'autre côté après, dur quoi. Il y en a de l'autre côté, j'entends. Oh là 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 là. Comment je vais faire? J'en ai un en face aussi. Ok. Bien joué. Il est mort. De ce côté. Bien joué. Comment ça t'es pas mort? J'ai pas envie de mourir. Si on a un qui déboîte à gauche ou à droite, là je suis foutu. Punaise. Allez. De ce côté, non, c'est bon. Ça pète ou pas? Ouais. Ça peut péter. Je sais pas s'il y en a pas là-haut, hein. Doucement. Wouhou! Je vais couper la tête. C'est bon. Ouais, par contre là j'ai plus de vie hein, vraiment. Tu as 2 heures. Oh non. Vous avez 2 heures. Faut que je le retrouve et sans me faire toucher en plus. Putain. Bon. Ah mais il va y avoir encore plein de gorilles, non, tu peux être sûr. Mais je vais crever, comment tu veux que je fasse? J'ai plus de vie, plus rien. C'est un enfer absolu. Attendez. De ce côté. Y'a personne? Ça m'étonne qu'on puisse pas récupérer de la vie.
M'étonne vraiment là. You straight fuck. Je l'ai eu? Ouais. Bien joué. Allez, va le choper. Where your fag master? Alors, tu te planques? Ce serait dommage de mourir maintenant, hein, vraiment. On a réussi à tenir. C'est bon, je l'ai eu. Wouh, maintenant dépêche-toi, monte sur la moto. Par où? Là-bas. On a survécu. Wouh. Je t'ai pas sauvé. Oh putain, il est encore. J'ai entendu du bruit. Putain. Bâtard. Plus que lui, hein, je crois. Hein. C'est bon. Putain, je me prends une balle, je suis mort, quoi. Oh, pardon. Il y a l'ambulance, du coup, juste derrière. La moto, vite. Vous avez pas un peu de soin, s'il vous plaît, monsieur l'ambulancier? Ça me serait quand même plutôt utile. Can't talk, bro. It's just really coming apart. What do you mean? Let me help you out. There ain't nothing you can do, Yusuf. If this crazy Russian fuck manages to leave the country, it's over for me and Tom. I gotta get down the Dresh Expressway without any number of Russian assassins taking me down. Or we're done. Why am I even saying this? Wish me luck, bro. Je me dépêche. La voie express. Tu penses que j'ai le temps pour m'arrêter pour un sandwich? Je suis pas sûr, hein. Faut y être en deux heures, là j'ai perdu déjà une heure et demie pour tuer le gars. Ok. Bueno. Ah, il est fou celui-là. Et c'est là qu'on va mourir. Si Yusuf jusqu'à l'aéroport. C'est là qu'on va mourir parce que regardez, il y a des voitures dangereuses juste devant, on va se faire toucher, c'est sûr. Faut que j'esquive. Ah Yusuf, je compte sur toi hein, pour les allumer. Ok, moi je reste à l'écart. Putain, ce serait tellement beau qu'on survive jusqu'au bout. Ok, nouvelle voiture, Yusuf. Moi je fais du slalom. Dès que j'ai une voiture. Alors je sais que c'est pas les conditions idéales hein, pour terminer. Allez. Parfait. Je suis obligé de faire super gaffe. Ah, on fait avec les moyens du bord, écoutez hein. Ah, il reste à l'écart. Ah non, je pensais que c'était une... Ah si, c'est une voiture dangereuse, ça, non? Ah non. On peut y aller. De toute façon, on le remarque, hein, ils roulent comme des fous, ceux qui sont dangereux. Allez, on y est presque. On va survivre. On va y arriver, les amis. Tu fais exploser, gros. Et il se régale, il se fait un petit plaisir, il se fait un petit kiff. J'aime bien, j'aime bien. Ok, oui c'est là qu'on avait fait exploser aussi hein, un hélico, je me souviens. Ok, tout de suite. Dépêche-toi. Hey Louis, roule ma poule. Vitesse maximale. Baisse la tête. 4 étoiles. Est-ce qu'on va réussir à le choper? C'est chaud. Vite! Quoi? Non! Ah! Non, j'ai perdu le contrôle! Quel con! Dépêche-toi, je sais pas si c'est cuit! Aïe aïe aïe! Vite! Pourquoi Liberty City est tout rouge? Oh, j'ai plus de vie, je vais crever! Mais oui, c'était sûr que j'allais crever au moindre coup de feu! Mais non, mais sérieux, ça re-shoot là-dedans! Ah, je me suis dit aussi, franchement, c'était tendu pendant toute la mission. Je me suis dit, est-ce qu'on va réussir véritablement à tenir? Et ah, c'était dur, les amis. C'était dur. Ah, c'était chiant à la fois parce que je pouvais pas shooter comme je voulais. Je pouvais pas
me détendre entre guillemets. Il y avait une tension supplémentaire, finalement, c'est ce qui fera que mon let's play sera unique. Il y avait une pression supplémentaire. Bon, allez, cette fois-ci, on est bon. Je me rapproche. Et on va les shooter. Attention, garde ta vie, hein, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Ils ralentissent la moto pour qu'on soit quand même là au dernier moment, quoi, tu vois. Attention, maintenant. Qu'est-ce que tu. Mais pourquoi il se lève? C'est un vrai truc de balle celui-là. Je jure que je l'ai pas dit de se lever, hein. D'accord. Un pistolet. Salut. You can't shoot me, you'll blow a whole plane up. I'll take my chances. Oh merde. Il est temps de sauter, Louis. Oh, vache. Ah c'est sûr, on n'est pas payé assez pour ces conneries. Va au monoglobe de Dukes. Yes, avec la petite musique en fond. Bon, je pense que ça c'est la fin, hein. Ouais, c'est l'ultime mission les amis, c'est sûr. T'as pour le coup, j'ai tout enchaîné, là j'ai enregistré, j'ai l'impression que j'ai enregistré 2h30 gameplay. C'est pas grave, je vois ça en plusieurs parties, mais... Quelle intensité. Par contre, quelques bugs de texture, là on le voit en contrebas, mais sinon, c'est plutôt joli. Alors c'est où exactement qu'il faut aller? Est-ce que j'ai une marque précise? C'est quoi ça? C'est un terrain de mini-golf, non? Qu'on voit avec du vert, là. Je sais pas exactement où faut aller. Bon, bah, de toute façon, moi, je continue tout droit. Je pense pas qu'on peut atterrir directement dessus, si. Ça m'étonnerait. Y'a un taxi! Tiens, je vais viser le taxi. Le dernier grand saut de l'aventure, sûrement, les amis. Mais je vais atterrir sur le toit. Non, sur la route. Sur le toit. La route. La route, le toit. Ouh. Le vent, il est énorme, celui-là. Je me suis bouffé. Sans déconner. Retour au parc. Alors, attends, je pense que je vais descendre directement là. Hein. Ouais, je veux pas m'embêter. Y'a pas de soucis. Allez, hop. Par contre, comme d'hab, il me reste plus beaucoup de vie. Mais de rien, ce DLC était, en termes de difficulté, un peu au-dessus, je trouve. Oh. Oh. Shit. Sorry, Pops. Oh. Come on, get up. Get up. You okay? Yeah, thanks. Take care of yourself, okay? Stay away from idiots like me. Fuck you. Excellent. You always have to make a scene, don't you? Yeah, I know, it's a real problem with me, you know? I wish I was more like you. Subtle, shy, retiring. Boy. I used to play around here when I was a kid, dreaming of the world, wondering what it was like at that place over there or that little island over there. You ever go that thing? Nah, went to Algonquin instead, waiting for the world to come to me. You did it, man. You did it. You saved my life. You saved the business. You fucking did it. Hey, man, I did what I could, bro. I'm proud of you, man. Thank you. But I don't want you to get a big head. I don't want you to go change, become a megastar, go to Vinewood, write a blog. Oh. You're a pill-popping old queen, man. I'm a murdering maniac. But we survived, bro. We survived. We did more than survive, amigo. We prospered. We took on this town and we won. We took on this place and we gave it the fucking finger. Fuck you all! I don't care what people say. Tony Prince and Luis Lopez could not be stopped.
Huh? Oh, jeez, who's this? What's up, my niggas? Oh, did he just say that? Yeah, hey, man. You fucking made it! Man, that was some serious gangster shit! Shoot, shoot, shoot him up. I said shoot, shoot, shoot him up. Yo, T! T! Give me a hug, give me a hug. Not too close, though. I don't want to give my father the wrong impression. Ah, Luis, I love you, man. I love you! I love you, too. I love everyone! Come on, let's get out of here. Oh, by the way, I think my father may be into franchising clubs. I know, franchise is not the way to go. The club is all about the people. Fuck the people! Fuck them all! Whip out your dick and piss all over them! You're gonna go a long way in hospitality, my friend. Darling, voyons. Ce ne sont pas des choses qui se font. Eh bien, écoutez, je pense que c'est terminé. Histoire finie, voilà, exactement. Merci de confirmer ce que je pensais de jeu. Ah, c'était génial, hein. Vraiment, quel DLC de dingue. Et il y avait bel et bien 26 missions en tout. Merci à celui qui me l'a dit il y a maintenant. Oula, les textures. Oula, les textures. On passe vite, ça, c'est moche. Merci à celui qui me l'avait dit, hein, qui avait 26 missions depuis un bail. Donc, ouais, non, je pensais qu'il y aurait que 5 vidéos. Finalement, ça en fait 6. Minimum. Du coup, ouais, DLC plutôt cossu, hein, plus long encore que le premier. Et le succès déverrouillé, Maestro. 74%. Mais bon, voilà, on a dû la recommencer, donc forcément, on est mort au tout dernier moment, ça fout les boules. Maintenant que tu as terminé le scénario principal, tu peux refaire les missions autant de fois que tu le souhaites à partir du téléphone. Compte sur moi. Sélectionne mission, puis choisis celle que tu veux rejouer. Bah, quasiment toutes, en fait. Petit message de Enrique, tiens. Tu vas jamais le croire, le nous a des putains de chars d'assaut. Si jamais ça t'intéresse, appelle-moi. Ah, maintenant on peut s'en choper un. D'accord. Alors après, on m'a dit qu'il y avait un stratagème hein, également pour garder celui qu'on avait et tout, de l'amener au garage, etc. Je sais pas quoi. Ok. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'était incroyable. Beaucoup plus intense quand même, même si j'ai beaucoup aimé le premier DLC, mais plus intense que le premier. Et surtout avec beaucoup plus de folie, de dinguerie. En même temps, vu les persos, c'est ça qui fait la différence. Les missions sont à leur image, quoi. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas en tout cas à laisser un dernier petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines aventures qui arriveront sur la chaîne dans très peu de temps. Message également de Youssouf. Mon pote, le buzzard, t'attend sur la West River quand tu veux. Ce qui est à moi est à toi, mec. On fait comme ça, Youssouf. Ah, moi, je veux bien. Et t'as vu, ils ont écrit Youssouf, le S avec un dollar. avec le sigle du dollar. C'était génial. Et je peux vous dire que j'en garderai un super souvenir. Très bientôt, de nouvelles aventures arrivent sur la chaîne. De nouveaux jeux, bien sûr, et pas du GTA de suite. Parce que voilà, certains me disent, Galax, tu devrais faire ça à Andreas directement et tout. Ah d'accord, et là, faut récupérer le véhicule, hein, je suppose. Attends, on va aller récupérer le véhicule quand même. Je vais voir s'il y a un truc dedans. On sait jamais. C'est l'hélicoptère Gold. Parce que vu qu'on avait eu un truc particulier... un Uzi Gold avec la voiture, avec la voiture jaune. Je me dis peut-être qu'on a autre chose avec l'hélico. Dis-moi. Non, c'est juste qu'il m'attend ici à tout moment. D'accord. Écoutez, vous savez quoi, on va terminer dans les airs. Voilà. Parce que c'est la grosse nouveauté justement de The Bad of Gettoni, c'est justement qu'on a le base jump, des sauts en parachute. Et franchement, ça fait la diff. Ça te dirait pas de fermer la porte, on sait jamais si tu bascules, hein. Tant pis. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Vous étiez extrêmement nombreux. C'est la dernière vidéo sur GTA 4. Une playlist qui est vraiment complète. On a fait les deux DLC plus le jeu d'origine. Et je regrette pas. Franchement, quelle belle aventure. On a fait ça sur un mois. Depuis un mois, il y a quasiment que ça sur la chaîne. C'est totalement abusé. J'en suis conscient. Mais plaisir coupable. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Merci à tous, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !